Manchmal glaub ich, singt man noch etwas im Ohr von diesen gemurmelten Wörtern, wo längst vergessene Stimmen früher ganz leisli haben gesagt. So rieselt der Landreihe im Spätjahr geduldig durch dürre Blätter. Parfois, je crois surprendre un écho dans l'oreille de ces mots murmurés que des voix de jadis, depuis longtemps perdues, disaient presque en silence. Ainsi suinte la pluie de campagne en automne à travers les feuilles mortes avec tant de patience, à la lisière du petit bois de chêne gris et touffu, où le ruisseau rouge chuchote, puis elle s'enfuit goutte à goutte dans la terre, à pas de souriceau, comme fait la semence par le chemin profond, la sente aux orties noires. Je ne sais plus qui, ça fait tellement longtemps, quelqu'un m'a donné un jour un livre, un texte en me disant, si vous voulez bien avec Germain lire ça, le pauvre, il n'avait jamais le temps, alors j'ai dit, moi je le lirai, puis je te le raconterai. Un texte, donc, entre les mains, qui était écrit entièrement en dialecte et en vers libre, c'était donc le texte des Schwarzisegnes, des orties noires. Alors, j'ai lu ça avec, évidemment, une émotion intense, non seulement parce que, par le sujet, qui parlait effectivement de l'être humain, de la guerre, des camps de concentration, de l'école, de l'être qui se souvient que sont devenus tous ses copains et tout ça, mais qui était écrit dans un dialecte absolument magnifique par Claude Vigée. Et donc j'ai lu ce texte et j'ai dit, c'est formidable, je ne connaissais pas Claude Vigée à l'époque. J'ai lu ce texte formidable, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai montré à des amis, je dis c'est absolument sensationnel, humain, fort, une langue magnifique. Et un beau jour, un metteur en scène vient chez moi et me dit, écoutez Dina, j'aimerais bien monter avec vous, je voudrais faire d'un long poème, je voudrais faire un spectacle. J'ai dit, ah oui, c'est ce que c'est, ça s'appelle les Schwarzisegnes. J'ai dit, ah ben, je connais. Il y a dans l'instinct poétique et l'instinct je crois, de tout artiste non seulement la nostalgie du passé, ça c'est évident, mais si je puis dire une nostalgie de l'avenir, d'un avenir à conquérir, et ceci jusque dans l'extrême vieillesse, c'est mon cas. Et c'est pourquoi le poème Schwarzisegnes que j'ai écrit en 82 à Jérusalem, en pleine guerre du Liban, dite du Liban, sur le toit en terrasse de notre appartement, pendant que ça bardait tout autour, il commence par une évocation nostalgique d'un passé, mais d'un passé qui veut se transformer en futur. Comme je l'ai expliqué à Jean-Jacques Chetel, au journaliste, quelque chose avait besoin de sortir de moi. Pourquoi c'est sorti en 82? Après plus d'un demi-siècle, je ne sais pas, je n'ai pas compté les années, 60 ans, quelque chose comme ça. Et sous cette forme, en alsacien, ça je ne le sais pas. Ça montre que la pression était très forte et que ce n'est que comme ça que j'ai réussi à me libérer, alors que j'étais devenu un vieil homme, un sexagénaire, de ce qui couvait là-dedans, comme le feu couve sous la cendre, ou comme la braise rougeoie en secret. Quelque part. Alors donc, après que ce metteur en scène qui était Francis Haas, qui a fait un très joli travail d'ailleurs sur ce spectacle lecture, nous l'avons créé en 93 à la MAC de Bichwiller. Et puis le Cheval Blanc de Schildigheim, ayant entendu parler de cette œuvre, s'y est intéressé. Nous avons joué là-bas une quinzaine de représentations. Et je me suis rendu compte, parce que j'avais un peu peur au début, que le texte soit peut-être un peu trop littéraire et pas assez populaire pour attirer un grand public, et je me suis trompée. Effectivement, les mots sont tellement forts et les émotions tellement fortes dans ce texte que ça, c'est absolument compréhensible par tout le monde. Et ensuite, nous avons fait une tournée, et donc nous avons compris la nécessité, avec les MJC,
de garder ce texte magnifique en mémoire, en le dépouillant encore plus, en ne pensant vraiment qu'au texte et plus au spectacle. Et nous en avons fait un DVD. Les orties ne sont pas une plante anodine. Même quand elles flambent en automne, quand elles brûlent, alors elles brûlent doublement. Elles brûlent du feu qui les détruit, mais avant elles ont brûlé tout court pour ceux qui les touchent. Elles disent la vérité de la vie, mais elles sont si belles. Et leurs fleurs sont si belles, les fleurs des orties. Et finalement, c'est un petit peu... Notre vie n'est pas un lit de roses. Ça, déjà, les poètes latins le savaient. Horace le savait. Nous ne vivons pas sur un lit de rose. C'est plutôt un lit d'ortie. Alors, le génie ou la malice, c'est de faire croire que le lit d'ortie est aussi un lit de rose. Et en fait, c'est aussi un lit de rose. Souffrance, douleur, angoisse, mais aussi joie et folie. Parce que tout ça s'est mêlé. Dans tous les siècles, j'imagine, mais celui que nous avons traversé, que moi j'ai traversé, au moins en grande partie, et se caractérise justement par une étrange alchimie de terreur et d'une incroyable vitalité. C'est un petit peu ce que le jeune Mozart, qui a toujours trouvé les mots qu'il faut, écrivait à son père après la mort de sa mère, quand il avait 14 ans à Paris. Il lui écrit que sa vie est toujours suspendue ou déchirée zwischen Angst und Freude, entre l'angoisse et la joie. C'est extraordinaire pour un gamin, un adolescent, d'écrire ça. Et cette parole, enfin, ces mots de Mozart, eh bien, je les ai toujours reconnus comme une espèce de leitmotiv de ma propre vie. Et c'est ainsi que le poème est né, dans toute son ampleur et sa violence, son extravagance baroque, et aussi sa douceur. Parce qu'il y a des passages extrêmement tendres dans le poème, et qui alternent, et ça c'est typiquement rhénan, c'est du baroque rhénan, comme on le trouve dans les grands, que je ne connaissais pas à l'époque, comme dans les grands poètes de langue allemande, enfin alsacien, rhénan, du XVIe siècle, aussi bien chez Sébastien Brandt que chez Fischart, le grand satirique, et chez d'autres. Il y a cette étonnante... cette culbute, ce côté espiègle de l'esprit rhénan et surtout alsacien, qui passe du plus tragique à un rire énorme et parfois sinistre. Mais ça n'a pas été simple, hein, parce que ce texte était quand même un texte très difficile. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, tiens, au fond, pense un peu à Enfaret de mon Emtophone, la merveilleuse œuvre de Germain Müller, et essaye de ramener tout à la simplicité. Essaye d'être authentique et de faire le texte avec beaucoup d'émotion, de simplicité, parce que je pense que les deux textes là que nous venons de citer, c'est-à-dire les Schwartzisengesle de Claude Vigée et Enfaret de mon Emtophone de Germain Müller, sont les plus grands textes en dialecte de l'Alsace, quoiqu'il y ait quand même des poètes extraordinaires chez nous, mais qui ont marqué aussi des époques très importantes. Ce sont tous les deux une sorte de psychanalyse. Ce sont l'une est la psychanalyse de l'Alsace, de Enfaret de mon Emtophone de Germain. Il a remis les Alsaciens debout, il leur a rendu leur dignité quand ils ont pu se rendre compte de ce qui s'était passé pendant la guerre. Et puis les Schwartzisengesle, où il y a des passages où vraiment c'est de la psychanalyse de l'être humain qui peut, avec son côté merveilleux et poétique et avec son côté cruel et bestial, quelquefois. De mon temps et avant, des matelas, ça ne se jetait pas comme ça. C'était un trésor de famille qu'on gardait de génération. C'était de bons matelas. Et tous les 30 ans, tout de même, on les donnait à nettoyer chez le Matratzekratz. Le Matratzekratz, c'est le gratteur, littéralement, de matelas. Donc, c'était son métier. Lui et ses collègues, j'allais dire ses acolytes,
une vraie liturgie qui se passait dans la cave du Matratze Kreutz, où il fallait ouvrir les matratzes. Et puis, après 30 ans d'usage, vous imaginez ce qu'il y avait dedans et dessus. Et moi, comme gosse, puisque ça se passait à 2 minutes à pied de chez nous, j'avais souvent le nez fourré là-bas pour voir ça. C'était formidable. Et puis, l'imagination aussi, parce que j'étais très espiègle. Je comprenais vite ce qu'il y avait de grotesque et de drôle, et en même temps d'abyssal là-dedans, puisque tout à coup on pénétrait à travers la saleté dans la réalité de la vie de toutes ces familles sur 20, 30, 40, 50 ans. C'est devenu chez moi une espèce d'emblème, n'est-ce pas, de la vie humaine. Et la psychanalyse, c'est évidemment rien d'autre que le grattage des matelas, que les mettre à l'air et de sortir tout ça. Alors, si bien que nous, on n'avait pas besoin de Freud, à Bichuner, on avait déjà tout inventé. Il suffisait d'être à 9 ans, 12 ans, un gamin très éveillé et qui cherchait à s'amuser et aussi à tirer un peu aussi dans les ressorts, pas trop. Il suffisait d'être un gamin de ce genre pour aller très loin dans la psychologie des profondeurs de l'âme humaine. On était à Toulouse comme des dizaines de milliers, même plus, de gens de l'Est qui avaient été évacués. Tous, on a été chassés. Et nous, par hasard, c'est-à-dire nous, je veux dire, ma famille immédiate et moi, on a échoué d'abord à Pau, puis moi à Toulouse. Je voulais malgré tout continuer mes études de médecine, commencer à Caen. Et là, à peine arrivé à Toulouse, je crois que c'était en octobre, le 13 octobre, je vois affiché sur le kiosque, dans une des places centrales de Toulouse, la place du Puy, le Paris Soir, le France Soir de l'époque, qui s'appelait Paris Soir, avec en grosse manchette le statut des Juifs publié au journal officiel. Ça ne s'oublie pas, une expérience pareille. J'ai compris très bien qu'on nous vendait pour rien d'ailleurs, qu'on était livrés. Nous, ça veut dire tous les Juifs d'Alsace, tous ceux qui avaient été d'abord ou évacués ou expulsés par les nazis ensuite, ceux qui étaient restés, par exemple à Bichuler, expulsés vers l'intérieur, mais on ne perdait rien pour attendre, expulsés pour être plus tard ramassés par la police d'État et la milice française et la Gestapo et déportés à Auschwitz, à Sobibor, à Treblinka. Ensuite, dans une seconde phase, en 1941-1942, en 1940, après la publication du statut des Juifs, c'est-à-dire des lois d'exception qui nous excluaient en attendant de nous parquer dans des camps et de nous déporter et de nous gazer et de nous brûler. Moi, j'avais senti ça tout de suite. En pleine gueule, j'ai reçu ça. C'était donc ça, le salaire de la fidélité, de la loyauté, de la naïveté, de la croyance. En pleine gueule. Et je suis allé me renseigner tout de suite, dans l'après-midi. Où est-ce qu'il y a une synagogue à Toulouse? Est-ce qu'on peut y aller? Qui est là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai trouvé là-bas alors toute une bande de jeunes, filles et garçons, de mon âge. Nous autres, surtout nos parents et nos aînés, étaient tellement assommés par ce qui venait d'arriver qu'ils n'ont pas réagi. Ils ne croyaient pas. Ils ne pouvaient pas le croire. C'est pour ça qu'ils ont été attrapés, pris comme des lapins pour parler. En Bichuler ou à Wiehausen, ils ont été pris comme des lapins. Et la plupart de mes parents proches, le frère aîné de mon père, descendu près de Foix par la milice et la Gestapo, un vieillard de 70 ans, comme otage, réfugié dans le Midi, dans le Roussillon, des cousins germains, des petits cousins, enfin tout le clan, plus de la moitié de la famille a été exterminée. De ma famille. Mais moi, non. J'ai tout de suite compris qu'il fallait s'attendre au pire, absolument, qu'il fallait rien croire de tout ce qu'on avait raconté jusque-là,
et qu'il fallait s'organiser dans la mesure où on pouvait, pour résister, se cacher, lutter, durer, survivre, aller au-delà, avec des actions, des voyages clandestins, des gens qu'on essayait de cacher, de planquer, comme on disait, de faire disparaître dans la nature, qui étaient recherchés, hommes, femmes, enfants. Bref, le genre d'action, de résistance qu'on pouvait se permettre tout au début. Ensuite, mais ça c'est plus tard, c'est devenu une résistance militaire. Mais ça c'était après l'occupation totale de la France en fin 42. À ce moment-là, moi j'étais déjà en Espagne. Le dialecte alsacien a été ostracisé et finalement étouffé par toute une série d'événements historiques traumatiques. Dans ma génération, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 20-21, c'était avant tout lié à l'apprentissage minimal du français. Donc c'était inévitable et en même temps traumatique. Si bien que nous, les gamins de l'école primaire, puis du collège à Michulin, on nous interdisait de parler le dialecte dans la cour de l'école et surtout dans les classes, c'est évident. Il fallait d'abord Französisch lernen, hein, apprendre le français. De l'entrée en dixième à l'école primaire supérieure de Michulin, qu'on appelait la pension à l'époque, pension, jusqu'à 1982 à Jérusalem, j'ai toujours eu en moi un jardin secret dans lequel je me parlais en dialecte, tout seul. Ça voulait dire que la langue de l'enfance, eh bien, c'est un élément essentiel de notre vie et de notre pouvoir créateur. C'est à travers l'alsacien d'abord que j'ai réussi à chanter quand j'étais à l'école maternelle, à Michulin, et de là le glissement au français, peu à peu, sous la contrainte, c'est vrai, contrainte scolaire et finalement sociale, mais sans jamais lâcher le reste. L'histoire du Hans Schnobolo, c'est l'histoire d'un fou, n'est-ce pas ? Un type qui perd les pédales et qui ne sait plus ce qu'il a, il ne le veut pas parce que c'est indigérable. On le force, on le garde, on l'oblige à bouffer ce qu'il n'a pas envie de bouffer, ni de dire. Inutile de préciser que ce soit le Hochdeutsch enfourné à la cuillère par les germanisants, ceux qui sont les partisans de la germanisation à outrance, ou alors l'interdiction totale du dialecte ou partielle venant de Paris. Tout ça, ce sont des formes de violence linguistique qui ont une... Les mots ne sont pas des mots. Les mots sont notre être même. Le miracle est-il possible ? Germain et moi, nous avions tous les deux un peu de... quelquefois un peu mal. Nous parlions souvent de ça et nous disions quelquefois, est-ce que vraiment le dialecte va perdurer ? Est-ce qu'il va continuer dans la jeunesse à être parlé ? On n'était pas très sûrs. Le dialecte alsacien, puisque c'est de lui que nous parlons, c'est la mémoire de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Et pour eux, je crois que ça serait beau, beau et bon, de pouvoir continuer cette ligne, de rester sur une espèce d'un fil, d'avoir un fil qui continuerait comme ça à les amener aussi à parler ce que parlaient ceux avant eux. Parce que contrairement à ce que certains jeunes, hein, je ne parle pas de tous les jeunes, certains jeunes peuvent croire, parler un dialecte, ce n'est pas purish, ce n'est pas paysan, ce n'est pas pecno de parler un dialecte. Ce qui est en train de se produire, pourvu que ça dure, c'est que la langue qui était celle vraiment du peuple est en train de devenir, est-ce que c'est pure survie ? Je ne sais pas. En tout cas, elle est en train de devenir une langue de poésie, une langue de l'art. Finalement, ce qui survivra peut-être de l'alsacien, ce sont les poèmes. Parmi les jeunes alsaciens qui sortent de familles où on en parle encore un peu, l'inconscient on sait beaucoup plus que le conscient. Et ce qu'on ne veut pas savoir, on le sait beaucoup mieux qu'on ne le désire. Et j'ai entendu dire, et je crois ça volontiers,
c'est que des gens qui, leur vie entière en Alsace, quand ils sont très malades ou sur leur lit de mort, tout à coup, Ebraimol comme ça, il s'assit chevet de russe, hein, tout à coup sortent les mots alsaciens. Mom, pop, health, krank, angst, tout ça. Alors, il aurait beaucoup mieux valu qu'ils sortent ça tant qu'ils étaient en bonne santé vivants et qu'ils en jouissent et que les autres en jouissent. C'est ce à quoi moi je me suis attelé en tant que poète de langue alsacienne. Il y a aujourd'hui une sorte de sanctuarisation du dialecte dans ses formes savantes et littéraires. C'est peut-être l'avenir. Donc, pour le reste, il ne faut pas compter sur Dieu pour les miracles. Comme on le trouve écrit dans la tradition talmudique, c'est le rabbin qui fait le miracle, comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais on a le droit d'aider le rabbin à faire le miracle. Eh bien, je crois qu'il faut beaucoup aider le rabbin à faire le miracle.